Ce matin, nous avons la joie, alléluia, pour nous adorer le Seigneur, pour nous adorer, pour nous chanter, parce que le Seigneur est merveilleux, alléluia. Ce matin, laisse-nous rendre grâce le Seigneur, laisse-nous dire merci, le Seigneur Jésus, parce qu'il est digne de nous la vie, il est digne de nous sur l'amour, sur la paix, sur la joie, alléluia. Ô Papa, dans le nom de Jésus, nous bénis-toi. Où nous les adore-toi, Seigneur Jésus, nous enseigne d'un Dieu merveilleux et nous ne pouvons pas arrêter de toi. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur, pour toute la grâce infinie. Merci, Seigneur, pour tout Saint-Esprit qui est présent en ce lieu. Merci, Seigneur, pour de la vie en nous, Jésus. Que de la gloire, Seigneur, descende parmi nous. Que de règne, Seigneur Jésus. Continue, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci Seigneur pour cet instant béni, Seigneur Jésus, prends toute la gloire, amen. Prends toute l'honneur, prends toute l'adoration, Seigneur Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. Quand nous rendons ta présence, l'âme contemple ta grandeur. Laisse me louer, me adorer, me contempler ta majesté, Jésus, laisse-moi. Combien bon dans toi, Jésus, laisse-moi de toi. Combien bon dans toi, Jésus, laisse-moi de toi. Combien bon dans ta présence, aussi me content comme baissant de louange. Me contempler ta majesté, Jésus, laisse-moi de toi. Combien me compte en toi, Jésus, laisse-moi de toi. Combien me compte en toi, Jésus, laisse-moi de toi. Combien me compte en toi, aussi me compte comme péchant. L'âme contemple ta grandeur. Puisse-moi louer ou adorer, me contempler ta majesté. Jésus, laisse-moi de toi. Combien me compte dans toi, Jésus, laisse-moi de toi. Combien me compte dans toi, Jésus, laisse-moi de toi. Combien me contente ta présence, aussi me contente comme péchante louange, aussi me contente comme péchante louange, aussi me contente comme péchante. Devant ton trône ce matin, de celui qui règne, Jésus. Il est grand notre Dieu, acclamez grand son nom. Il est grand notre Dieu, pour l'éternité, sa puissance est à l'aise. Il a fait de toutes choses par l'amour pour nous. Il est grand notre Dieu, acclamez grand son nom. Il est grand notre Dieu, pour l'éternité, sa puissance est à l'aise. Au-delà du divin, il a fait de toutes choses par l'amour pour nous. Il est grand notre Dieu, il est
grand loge le tien. Abraham est grand son nom. Il est grand notre Dieu. Par amour pour nous, il est grand notre Dieu, il est grand notre Dieu. Acclamez grand son nom, il est grand notre Dieu. Sa puissance est à l'aise. Et bien plus grand.
rien n'était impossible. Seigneur, fais ma voix, ta gloire, Jésus, ton petit, ta gloire, Seigneur, fais ma voix, ta gloire, Jésus.
Yeah.
de tes beaux conseils. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis. Devant mes ennemis. Et tu mes de la peur. Je suis enfant de Dieu. Esclave de la peur.
Oh, il manifeste ce matin, Seigneur. Oh, le sang baissé ici. Oh, le sang baissé. Oh, le sang précieux. Le sang de Jésus. Bonjour à tout le monde. Bienvenue ce matin online pour écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous pouvons lire la Bible dans 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 1. Nous faisons la lecture. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oh, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Laisse-nous bénir le Seigneur pour la parole de Dieu. Seigneur, me louez-toi. Me bénis-toi, Seigneur, me rends-toi grâce dans le nom de Jésus-Christ. La gloire, l'honneur, la puissance est à toi, siècle des siècles. Me dis-toi merci pour tes paroles. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci Jésus-Christ. Amen.
nous servir un bon Dieu qui n'est pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous servir un bon Dieu miracle. Un bon Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. La parole de Dieu dit à nous, rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et maintenant, nous posons-nous la question, qui est un miracle? Un miracle, c'est un acte de puissance divine contraire aux lois connues de la nature. Et ce passage qui nous fait lire ce matin-là, raconte-nous une veuve litigie dans un grand problème. Somichier, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, fin décédé. Et Somichier-là, litiena la crainte de Dieu dans son cœur. Litiena un respect total pour bon Dieu. Et malheureusement, Michel a fait une mort. L'étant Michel a mort, liquide une dette conséquente qui sont madame pas capable de payer. Et ben créancier vini, je viens get madame là, je dis si tu pas payé ta dette, nous pour prendre de des garçons comme esclaves. Et madame là, qui t'y fait? Qui te fait qu'un problème surgir dans de la vie? Madame là, criait vers Élisée, l'homme de Dieu, le prophète. Madame là, qui est sûre dans son cœur qu'Élisée, le prophète, le serviteur de Dieu, capable d'aider. Madame là, qui est déterminée à combattre, à persévérer, ne pas relâcher, pas abandonner. Jamais qu'un problème surgir dans de la vie, de relâcher, d'abandonner, sans quoi une défaite dans de la vie. Qui te besoin faire, te besoin combattre, te besoin persévérer jusqu'à la fin. Élisée, l'homme de Dieu, le prophète, dit avec madame là, qui te l'aime offert pour toi? Qui est là dans toute la case? Madame l'a dit, mon pena non y est dans la case, apporte un vase de l'huile. Élisée, tu es prêt pour aider madame là. Élisée, tu es prêt à faire n'importe quoi pour cet homme. Et ça, madame veuve là, il est pauvre. Il est endetté. Il n'a pas aucun revenu. Il n'a pas aucune pension. Madame là, il n'a pas de travail. Il vend tout ce qu'il a dans la case. Il résiste. Un vase de l'huile. Et laisse-moi dire ce matin, sa vase de l'huile-là, est-il suffisant pour qu'il bon Dieu fasse un miracle? Apporte une délivrance dans la vie de sa madame-là.
et pour montrer aussi la gloire de Dieu. Bon Dieu servi ben tiquiteuse simple pour montrer sur la gloire. Madame veuve là, lui donne ça qu'elle tienne à Élisée. Lui donne Élisée sa vase de l'huile. Laisse-moi dire où ce matin, étant Moïse avec le peuple hébreu arrive près de la mer Rouge. Bon Dieu dit à lui, Moïse, qu'as-tu dans ta main? Moïse tient un bâton. Il dit à Moïse, lève ton bâton. Quand Moïse n'obéit, il lève son bâton sur la mer Rouge. La mer Rouge fit nous en dé. Le peuple Israël passé. Et passe très bien. Ben, disciple de Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, je t'allais vers un petit garçon, je dis, qui est là dans ton petit panier? Garçon a dit, mais nazi, 5 petits pains et des petits poissons. Sa garçon-là, fit nous faire sa 5 petits pains-là, avec sa des poissons-là, Jésus-Christ. Jésus-Christ fait une rendre grâce, fait nourrir la foule, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Plus que 10 000 démons. Et ben, ticket ce saint, bon Dieu accomplir ben miracle. Et pour montrer aussi sous la gloire. Dieu, à travers Élisée, parle à la veuve. Il dit à le côté de la voisine, elle prend la vase prêtée, la vase vide, en grand nombre, amène côté de toi. Madame l'a fait ce qu'Élisée n'a dû faire, l'homme de Dieu. Madame l'a, avec ce ban, des enfants, des garçons, rentrent dans la case, ils ferment la porte. Sur elle et sur ses enfants. Je commence à verser de l'huile dans sa bonne vase vide là. La veuve fit obéir à la parole de Dieu. Lui faire exactement ce qu'Élisée fit dire lui faire. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 15, le verset 7 nous dit, Jésus qui dit ça, « Si quelqu'un demeure en moi et que mes paroles demeurent en lui, demandez ce que vous voudrez. » Que la prière pour l'exaucer. Quand tu demeures en Jésus-Christ, quand tu demeures dans la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique, te pour bénir, de la prière pour être exaucé. Miracle passé dans la vie sa madame veuve. Tout vase fin rempli avec de l'huile. L'étant éplié dans vase, de l'huile arrêtée par lui-même. Nous servit un bon Dieu de l'abondance. Nous servit un bon Dieu de la multiplication. Madame la vine riche, lui paye tout soudé et lui vive bien le restant de ses jours avec ses enfants, avec l'argent qu'il lui fait gagner. Pourquoi un miracle fit opérer dans la vie de cette veuve? C'était la femme d'un serviteur de Dieu. Madame veuve là, lui content le Seigneur, lui servit bon Dieu.
Ils tiennent à la crainte de Dieu. Ils tiennent à un respect total pour le Seigneur. Dans un moment difficile, ils cherchent Dieu. Ils obéissent à la parole de Dieu. Et ils mettent en pratique la parole de Dieu. Ils mettent sur la foi en action. Et ils t'y donnent ce qui y est. Et puis, madame veuve là, ils t'y honnête. Ils payent sa dette. Ils vont sauver. Ils n'ont que de bonnes créanciers là, ils payent sa dette. Toi aussi, veux-tu un miracle dans ta vie? Fais de même toi aussi. Demeure dans la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu et mette la parole de Dieu en pratique. Te pour béni et de la prière pour exaucer. Toi maintenant, toi qui peux écouter moi ce matin, qui peux encore recevoir Jésus-Christ dans toute la vie, peut-être ce matin, toi, tu peux attendre un miracle dans toute la vie. Tu peux attendre un besoin spécifique. Ce qui me dit à toi ce matin, première petite chose qui te besoin faire, t'en vient un miracle dans toute la vie. Tu as un besoin spécifique dans toute la vie. Recevoir, accepter Jésus-Christ dans toute la vie et dans toutes les guerres comme Seigneur et Sauveur personnel. Et toute chose te sera donnée par-dessus. Et surtout, le don de la vie éternelle. Mets-toi la foi ce matin en Jésus-Christ afin de recevoir le miracle que tu attends. La parole de Dieu dit à nous, Jésus-Christ se tient à la porte de ton cœur et frappe. Si tu ouvres ton cœur ce matin, il entrera et règnera dans ton cœur. Est-ce qu'il ce matin te l'est recevoir Jésus-Christ dans toute la vie, comme Seigneur et Sauveur personnel? Prends tes décisions ce matin, parce que aujourd'hui, c'est le jour du salut. Pas dire demain, pas dire l'autre semaine, pas dire l'autre mois. Aujourd'hui, c'est ton jour. Et maintenant, te faire ça la prière là, après moi. Jésus-Christ, moi un pécheur. Mon besoin de pardon. Mon reconnaître ton mot pour moi sur le bois de la croix. Tes icônes brisées. Tes dissonnes versées. Te fin prendre mon péché. Te fin pardonne mon péché. Te fin prendre mon maladie. Te fin prendre mon condamnation. Te fin prendre mon malédiction. Te fin donne-moi le don de la vie éternelle. Jésus-Christ, habite dans mon cœur. Règne dans mon vie. Aujourd'hui, m'accepte-toi comme Seigneur et Sauveur personnel dans mon vie et dans mon cœur. Me connais fermement. Tu réserves une place pour moi dans le ciel avec toi. Désormais, m'appartenir à toi. Me pousser à vie toi. Tous les jours, me laver. Amen. Laisse-moi dire toi ce matin, bienvenue dans la famille de Dieu.
Ce matin, bon Dieu, déclare-toi un enfant de Dieu. Et la parole de Dieu témoigne-nous qu'il a la joie devant les anges du ciel. Parce qu'un pécheur fut repenti. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous souhaite tout un bon dimanche. Et à bientôt.